Eh bien, salut les gens, c'est Niskida et on se retrouve sur Dark Parables, le prince maudit, l'épisode 2 de notre série préférée en mode expert. Oui, en mode expert parce que, ben, en mode expert c'est plus intéressant et en plus, ben, on voit plus de choses et je me vois mal vous le faire deux fois. Surtout que je viens de finir le mode normal, alors c'est parti! This path isn't on our map, but the villager said it's known as the Exile Prince Road. Story goes, when the fog rolls in, the fabled Frog Prince begins to wander here, searching for his long-lost princess. But no one who's laid eyes on him has ever returned to tell the story. It's time to head back, Marie. The Chancellor will not be pleased I let you stay out so late. I think we're lost. Didn't we come across this stone statue an hour ago? Don't worry, I see someone up ahead. Perhaps he can help us. Vingt-quatre heures plus tard, Forêt Noire, Allemagne. Vive l'Allemagne! Ah, c'est gentil. Donc vous voyez là, j'ai la couronne dorée. Et heureusement, dans le 3, il n'y a plus cela. Salopard de corbeau. Pourquoi il y a toujours des corbeaux? Enfin bref. Donc vous voyez que la qualité n'est peut-être pas bonne. Bref, la gamine, Marie, encore des Marie, oui. Elle n'a pas été très judicieuse de venir ici. Bref, une vieille tombe est plantée sur ce chemin poussiéreux. Sans blague, Dr. Watson. Je n'ai pas le droit aux indices, ni au passé Bah, ni à passer les mini-jeux. Ce qui va être bien énervant. Il me manque quoi? Un lézard. Le tube de lézard. Non, il me manque deux lézards. Vous voyez là? Là, la saloperie, là! Mode expert, interdiction d'utiliser les indices! J'aime pas. Ça y est. Je coince déjà. Eh bien, ce que j'ai fait une fois. Hein? Bien. Vous avez trouvé un nouvel objet, emblème de pierre. Allons-y. Grenouille! Collection de chars. Encore une grenouille. Il y a beaucoup de grenouilles dans le coin, non? Voilà, maintenant on doit faire des paires. Quelquefois les mini-jeux sont faciles. C'est incroyable, mais d'autres fois... Il nous faut la soluce, voilà. Nous avons une serpe. Magnifique. Plus d'once. Et c'est parti. Ah, il y a la magnifique chose que maintenant nous appelons une carte! Enfin! Par contre, on n'a pas la téléportation. Chapitre 1.
vous le voyez, là, nous avons la jarre. Je dois trouver les 5 jarres avant de pouvoir résoudre cette énigme. Hein, salut. Comment ça va? Bien, je vous présente le presse-grenouille. Je viens de voir quelqu'un à la fenêtre, il vient tout juste de s'évaporer. Bien joué. Araignée. Salut. Clé de la grille. Je vais le connaître par cœur un jour, ce jeu. Oh non. Ah, de la glace. La glace, oui, salut. Vive la glace. Fini. Je vois que dalle, mon ordi est plein de poussière. Oups. Ah, trouvé! Non, pas trouvé en fait. C'est quoi ce truc? Mais si, elle était là! Pourquoi tu me l'as pas mis? Oui, je pleure. Je prends ça, dégage. C'est le prix d'araignée. Il y a un corbeau, j'aime pas les corbeaux. Bande de charnières, dégage. Ben non, il faut pas. Un grenouille. Il y a plein de grenouilles ici. Qu'est-ce que c'est? Une gemme libellule. Magnifique. Et désolé pour la coupure, hein, mais j'avais atteint mon limite de nombre de vidéos. Donc, j'ai trouvé la libellule. J'ai mis du temps, mais j'ai trouvé.
Nous allons laver cette saloperie de grenouille et mettre la petite libellule là. C'est bizarre, je le sens mal. C'est normal hein, que je le sens mal. Oui, c'est normal, je connais déjà le jeu, mais... Là, j'ai remarqué un truc. Ah non, je vous le dirai dans le 3. Voilà, normalement c'est fini. Et c'est fini. Nous allons récupérer le petit machin bidule là. Et c'est là que les ennuis vont commencer. Parce que dans un Dark Parables, il faut toujours qu'il y ait des ennuis. Sauf dans le 1. Dans le 1, c'est là où t'es le plus pépère. Vous avez vu maintenant? Jeune, c'est bizarre. Et elle bouge plus. Ah non, là, il n'y a pas de brume, c'est chouette. C'est chouette, la vie est cool. Il y a des crapauds partout. Quelque chose ne va pas. Bien joué, Dr. Watson. Qu'est-ce que je dois faire? Trouver une clé et revenir à la chimère. Non, merci. Putain! Nope. Je disais quoi déjà? Salut. On dirait que le voleur a été piégé ici un long moment. Un palais mystérieux abritant des trésors fabuleux serait enterré dans la forêt noire. Ah, au moins ils sont traduits en français. Il y aurait un journal datant des années 1920. Ah, premier mini-jeu. 10. Voilà. Là, maintenant, 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 bon. Non, c'est pas possible. Magnifique. Nous avons trouvé un médaillon. Magnifique aussi. Ça doit être le gars qu'on a vu avant, le petit squelette. On m'a dit fou, mais je trouverai, c'est pas les cachets. Plus personne ne pourra douter de moi. Rack Newman, le plus grand voleur du monde. Ok. Ok, ce gars est cinglé. C'est fini? Non, c'était pas fini. Ce jeu et moi, ça me quitte. Je le hais et il me hait. Voilà. D'ailleurs, la malédiction d'Églantine, c'était le titre du 1. Le prince maudit est le titre du 2. Il y a beaucoup de malédictions.
tout petit machin. Ah, l'indice. C'est le par. Fini. Oui. C'est fini, enfin. Ah, d'habitude, il y a des objets versatiles, comme ils appellent ça. Ça doit nous permettre de recharger l'indice, mais comme il n'y a pas d'indice, peut-être qu'il n'y en a pas. Des objets versatiles. You are not welcome here, stranger. I do not know your intentions, but taking my key is the last mistake you'll ever make. This is the fate of those who intend to venture into my kingdom. J'ai peur. Don't worry, stranger. Your dire predicament is nothing compared to the curse I bear every single day. Ooh, il a disparu. Tan, tan, tan. Moi, je prends ça déjà. Et c'est parti. Les trucs qu'on ne voit pas dans le mode normal arrivent. Chapitre 2. Bien. Le mur du fond est couvert de glace. Je me demande comment je vais pouvoir passer. C'est très simple, tu ne vas pas passer. On peut lire Eliane et sa sœur Églantine libérer l'esprit de l'une pour sauver la seconde. Églantine. La malédiction d'Églantine, numéro 1. Donc la fille là, c'est Eliane, la sœur d'Églantine. Y avait-il une mention d'une quelconque sœur ? Dans la malédiction d'Églantine ? Non, c'est pour ça que, ben... Ça, c'est tough à chaque fois. Qu'est-ce que je peux faire ? Nous avons le disque là, la pomme argentée. Que vais-je faire maintenant ? Ok, donc ici, il y a... Oui, je sais, c'est ici, là ! Mais tu peux pas le déchirer toi-même. T'es un incapable, c'est ça? Voilà. Non mais, forcément un petit couteau. Cool. Cool. Le jeu est précis. Il nous force même à chercher la feuille morte sur la pelle avec sur la pelle il y a la terre et tout. Ce jeu est d'une précision pas possible. Maintenant que j'y pense, les musiques ça ressemble un petit peu. Vraiment un tout petit peu à la à celle de la malédiction d'Églantine. Ah oui, j'oubliais. Lorsque le petit prince grenouille a parlé, vous n'avez certainement pas compris ce qu'il a dit. Donc je vais vous résumer. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, alors je vous maudis. Voilà, vous êtes coincé ici pour l'éternité. Moi, je fais mon méchant, je m'en fiche. L'indice me manque. Oups. Excusez-moi. Désolé pour la coupure. Oh. Où est ce putain de machin? Je sais qu'il est sur l'un des pots. Je le sais. Moins que... Oh, je sais plus.
surtout que quand on voit que dalle, ça aide pas. Non, voilà. Trouvé. Bien, maintenant nous allons pouvoir pellon. Bien, c'est la musique. Oh, quelle vue magnifique! On dirait un jardin souterrain. Quelle magnifique sorte de l'observation. Oups, j'ai tué le prince. Ah, il a fait pour ta cul. Bien, il faut trouver la date. Alors déjà, c'est 1900, hein. Là. Magique, un miroir qui ne nous servira à rien du tout. Et nous allons nous laisser ici. Oui, nous allons nous laisser ici. Ah non, deux secondes. Pour celles que j'ai chéries, car elles ont donné un sens à ma vie. Ok, il est dépressif, ce gars est dépressif. Hein, va-t'en ! Le frère a disparu à mon approche, je me demande qui est cette femme. Qui cette femme pouvait bien être ? On dirait plutôt qui pouvait bien être cette femme. Oui. Bien, j'avais dit quoi déjà? Ah oui, on se quitte. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette petite vidéo. Avec plein de coupures. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, ne vous gênez pas, mettez un petit commentaire pour m'aider à améliorer ma chaîne, partagez, ça me permettra d'être plus connu. Et je vous dis, bye bye. Eh bien, salut les gens, c'est Liskida et on se retrouve sur Dark Parables, le prince maudit, l'épisode 2 de notre série préférée en mode expert. Oui, en mode expert parce que, ben, en mode expert c'est plus intéressant. Et en plus, ben, on voit plus de choses et je me vois mal vous le faire deux fois. Surtout que je viens de finir le mode normal, alors c'est parti. Known as the Exile Prince Road. Story goes, when the fog rolls in, the fabled Frog Prince begins to wander here, searching for his long-lost princess. But no one who's laid eyes on him has ever returned to tell the story. It's time to head back, Marie. The Chancellor will not be pleased I let you stay out so late. I think we're lost. Didn't we come across this stone statue an hour ago? Don't worry, I see someone up ahead. Perhaps he can help us. Vingt-quatre heures plus tard, Forêt Noire, Allemagne. Vive l'Allemagne! Given you a map of the area where she was reportedly seen last.
find the Chancellor's daughter as soon as possible. Good luck, Detective. Ah, c'est gentil. Donc vous voyez là, j'ai la couronne dorée. Et heureusement, dans le 3, il n'y a plus cela. Elle part de corbeau. Pourquoi il y a toujours des corbeaux? Enfin bref. Donc vous voyez que la qualité n'est peut-être pas bonne. Bref, la gamine, Marie, encore des Maries, oui. Elle n'a pas été très judicieuse de venir ici. Bref. Une vieille tombe est plantée sur ce chemin poussiéreux. Sans blague, Dr. Watson. Je n'ai pas le droit aux indices. Ni au passé de... Bah, ni à passer les mini-jeux. Ce qui va être bien énervant. Il me manque quoi? Un lézard. Le tout petit lézard. Non, il me manque deux lézards. Vous voyez là? Là, la saloperie, là! Mode expert, interdiction d'utiliser les indices! J'aime pas. Ça y est, je coince déjà. Et bien ce que j'ai fait une fois! Hein? Bien! Vous avez trouvé un nouvel objet, emblème de pierre. Allons-y. Grenouille! Collection de chars. Encore une grenouille. Il y a beaucoup de grenouilles dans le coin, non? Voilà, maintenant on va faire des paires. Quelquefois les mini-jeux sont faciles, c'est incroyable, mais d'autres fois, il nous faut la soluce. Voilà, nous avons une serpe. Magnifique. Plus dense. Et c'est parti. Ah, il y a la magnifique chose que maintenant nous appelons une carte! Enfin! Par contre, on n'a pas la téléportation. Chapitre 1. Grenouille! Comme vous le voyez, là, nous avons la jarre. Je dois trouver les 5 jarres avant de pouvoir résoudre cette énigme. Hein, salut. Comment ça va? Bien, je vous présente le presse-grenouille. Je viens de voir quelqu'un à la fenêtre, il vient tout juste de s'évaporer! Bien joué. Araignée. Salut. Clé de la grille. Je vais le connaître par cœur un jour, ce jeu. Ah, de la glace. La glace, oui, salut. Vive la glace. Fini.
que nous manque-t-il? Je vois que dalle, mon ordi est plein de poussière. Oups. Ah, trouvé! Non, pas trouvé en fait. C'est quoi ce truc? Mais si, elle était là! Pourquoi tu me l'as pas mis? Oui, je pleure. Donc, je prends ça, dégage. C'est le prix dernier. Il y a un corbeau, j'aime pas les corbeaux. Bande de charnières, dégage. Ben non, il faut pas. Un grenouille. Il y a plein de grenouilles ici. Qu'est-ce que c'est? Une gemme libellule. Magnifique. Et désolé pour la coupure, hein, mais j'avais atteint mon limite de nombre de vidéos. Donc j'ai trouvé la libellule. J'ai mis du temps, mais j'ai trouvé. Nous allons laver cette saloperie de grenouille et mettre la petite libellule là. C'est bizarre, je le sens mal. C'est normal hein, que je sens mal. Oui, c'est normal, je connais déjà le jeu, mais... Tiens, j'ai remarqué un truc. Ah non, je vous le dirai dans le 3. Voilà, normalement c'est fini. Et c'est fini. Nous allons récupérer le petit machin bidule là. Et c'est là que les ennuis vont commencer. Parce que dans un Dark Parable, il faut toujours qu'il y ait des ennuis. Sauf dans le 1. Dans le 1, c'est là où t'es le plus pépère. Vous avez vu maintenant? Sur les yeux jaunes, c'est bizarre. Et elle bouge plus. Ah non, là, il n'y a pas de brume, c'est chouette. C'est chouette, la vie est cool. Il y a des crapauds partout. Quelque chose ne va pas. Bien joué, Dr. Watson. Qu'est-ce que je dois faire? Une clé et revenir à la chimère. Non, merci.
putain! Nope. Je disais quoi déjà? Salut. Dire que le voleur a été piégé ici un long moment. Un palais mystérieux abritant des trésors fabuleux serait enterré dans la forêt noire. Ah, au moins ils ont traduit en français. Il y aurait un journal datant des années 1920. Ah, premier mini-jeu. 10. Voilà. Voilà, maintenant, bon. Non, c'est pas possible. Magnifique. Ils vont trouver un médaillon. Magnifique aussi. Ça doit être le gars qu'on a vu avant, le petit squelette. On m'a dit fou, mais je trouverai, c'est pas les cacher. Plus personne ne pourra douter de moi. Rack Newman, le plus grand voleur du monde. Ok. Ok, ce gars est cinglé. C'est fini? Non, c'était pas fini. Ce jeu et moi, ça me quitte. Je le hais et il me hait. Voilà. D'ailleurs, la malédiction d'Églantine, c'était le titre du 1. Le prince maudit est le titre du 2. Il y a beaucoup de malédictions. Tu petit machin. Ah, l'indice. C'est le pas. Fini. Oui. C'est fini, enfin. Ah, d'habitude, il y a des objets versatiles, comme ils appellent ça. Ça doit nous permettre de recharger l'indice, mais comme il n'y a pas d'indice, peut-être qu'il n'y en a pas. Des objets versatiles. You are not welcome here, stranger. I do not know your intentions, but taking my key is the last mistake you'll ever make. This is the fate of those who intend to venture into my kingdom. J'ai peur. Don't worry, stranger. Your dire predicament is nothing compared to the curse I bear every single day. Ouh, il a disparu. Tan. Moi, je prends ça déjà. Et c'est parti. Les trucs qu'on ne voit pas dans le mode normal arrivent. Chapitre 2. Bien. Le mur du fond est couvert de glace. Je me demande comment je vais pouvoir passer. C'est très simple, tu ne vas pas passer. On peut lire Eliane et sa sœur Églantine libérer l'esprit de l'une pour sauver la seconde. Églantine. La malédiction d'Églantine, numéro 1.
Donc la fille là, c'est Eliane, sœur d'Églantine. Y avait-il une mention d'une quelconque sœur dans la malédiction d'Églantine? Non, c'est pour ça que ben ça s'étoffe à chaque fois. Qu'est-ce que je peux faire? Nous avons le disque là, la femme enchantée. Que vais-je faire maintenant? Ok, donc ici il y a. Oui, je sais, c'est ici là. Mais tu peux pas le déchirer toi-même. T'es un incapable, c'est ça? Voilà. Non mais, c'est forcément un petit couteau. Cool. Cool. Ce jeu est précis. Il nous cherche même à forcer. Il nous force même à chercher la feuille morte sur la pelle avec la. Et la sur la pelle il y a la terre et tout. Ce jeu est d'une précision pas possible. Maintenant que j'y pense, les musiques ça ressemble un petit peu. Vraiment un tout petit peu à la à celle de la malédiction d'Églantine. Ah oui, j'oubliais. Lorsque le petit prince grenouille a parlé, vous n'avez certainement pas compris ce qu'il a dit. Donc je vais vous résumer. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Alors je vous maudis. Voilà, vous êtes coincé ici pour l'éternité. Moi, je fais mon méchant, je m'en fiche. L'indice me manque. Oups. Excusez-moi. Désolé pour la coupure. Oh. Où est ce putain de machin? Je sais qu'il est sur l'un des pots. Je le sais. Moins que. Oh, je sais plus. Surtout que quand on voit que dalle, c'est. Non. Voilà. Trouvé. Bien, maintenant nous allons pouvoir pellon. Bien, c'est la musique. Oh, quelle vue magnifique! On dirait un jardin souterrain. Quel magnifique sens de l'observation. Oups, j'ai tué le prince. Ah, il a fait pour ta gueule. Bien, il faut trouver la date. Alors déjà, c'est 1900, hein. Là. Magique, un miroir qui ne nous servira à rien du tout. Et nous allons nous laisser ici. Oui, nous allons nous laisser ici. Ah non, deux secondes.
Pour celles que j'ai chéries, car elles ont donné un sens à ma vie. Ok. Il est dépressif, ce gars est dépressif. Hein, va-t'en ! Le frère a disparu à mon approche. Je me demande qui est cette femme. Qui cette femme pouvait bien être ? On dirait plutôt qui pouvait bien être cette femme ? Oui. Bien, j'avais dit quoi déjà ? Ah oui, on se quitte. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette petite vidéo. Avec plein de coupures. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, ne vous gênez pas, mettez un petit commentaire pour m'aider à améliorer ma chaîne, partagez, ça me permettra d'être plus connu. Et je vous dis, bye bye.